Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau retour pour Tricer son magazine avec dans les mains une petite bombe technique de la marque New Balance que nous avons la chance de tester, qui est la New Balance Fuel Cell Supercomp Elite V3. Alors le nom est assez long, mais on a une petite bombe, j'ai une petite bombe dans les mains. Alors une bombe, pourquoi une bombe? Parce qu'il y a l'intégration de la plaque carbone. Donc ça évidemment vous le verrez au travers de mon retour test, mais c'est évidemment une énorme plus-value par rapport à cette chaussure qui fait que c'est une chaussure vraiment haute performance. Et on a l'intégration d'une mousse qui permet de pouvoir vraiment avoir un confort énorme sur la chaussure. Alors déjà, pour pouvoir vous dire, cette chaussure là je l'ai utilisée en cadre de ma préparation pour le marathon des villages que je vais faire début octobre. Donc c'est une chaussure qui va m'accompagner tout au long de mon processus un petit peu de course. Enfin, alors même si moi j'ai une façon un peu particulière de faire mon entraînement, mais en tous les cas, ça va être une chaussure qui va m'accompagner avec comme point final cette fameuse course au niveau du Cap Ferret. Alors maintenant, si je reviens un petit peu plus dans le détail de présentation de cette chaussure, on est sur une chaussure vraiment qui est haute performance, donc qui est absolument magnifique, car évidemment au niveau du design, hein, une chaussure absolument top. Très fité, un design vraiment racé et très élégant. Alors je l'ai quand même un petit peu mis au pied, hein, avant de faire cette petite présentation. On a vraiment l'impression de flotter, enfin, en tout cas c'est un petit peu l'image, enfin, le ressenti que j'ai pu avoir quand j'ai mis mes pieds dans cette chaussure. On a en fait l'impression d'être propulsé. Alors ça évidemment c'est grâce à l'intégration de la plaque carbone, hein. On a vraiment un rebond très dynamique, donc une foulée extrêmement dynamique. Et puis évidemment, comme je le disais, en fait, l'intégration de cette mousse au niveau de la semelle intermédiaire qui permet de pouvoir vraiment rebondir, d'avoir un confort énorme en fait au niveau de la foulée. Alors évidemment, on n'est pas sur une chaussure très très souple du fait de l'intégration de la plaque carbone, mais le confort vraiment, hein, on voit un petit peu avec cette mousse au niveau de la semelle intermédiaire. Alors la mousse qui est la mousse Fuel Cell, hein, que vous verrez un petit peu au travers du retour que je vais pouvoir faire, mais c'est vraiment une chaussure vraiment haute performance, hein. C'est vraiment là-dessus, j'insiste beaucoup, proposée par la marque New Balance. Alors évidemment une chaussure sur route, mais ça c'était assez simple de deviner en fait au niveau de la forme de la semelle extérieure. Voilà, chaussure super sympa, très stylée, donc qui va m'accompagner, comme je viens de vous le dire, tout au long de ma préparation en fait pour le marathon des villages que je vais faire au mois d'octobre. Voilà, en tous les cas, coup de cœur, hein, pour cette chaussure. Alors je ne rentre pas dans cette vidéo de présentation sur l'intégration de la plaque carbone, ça vous le verrez au niveau du ressenti que j'ai pu avoir, mais vraiment un confort énorme sur cette chaussure. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain retour et je vous laisse parcourir ce retour complet et technique que je vais faire sur la Fuel Cell SC Elite V3 de la marque New Balance. Et je vous dis à bientôt.